Je le dis au sommaire de cette édition du journal le lundi 3 mai. La presse sera à l'honneur. Le monde entier va célébrer la liberté de la presse, une liberté sans laquelle le monde ne sera pas informé. Cette année, l'accent, selon l'UNESCO, est mis sur l'information comme bien public en période de désinformation. Une journée pour rappeler au gouvernement du monde la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse et constitue également une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et de l'éthique professionnelle. En marge de cette célébration en RDC, les journalistes sont conviés aux réflexions sur la pratique de ce métier et l'établir véritablement comme quatrième pouvoir sous les thèmes « L'information sans masque pour lutter ». Contre la pandémie des fake news, une manifestation officielle sera organisée par l'UNPC, le GED et l'Association des médias en ligne pour commémorer cette journée qui coïncide avec le 30 ans de la déclaration de Windhoek.